point de gagné ou un point de perdu? Non, un point de gagné. Hein. Je pouvais même aller chercher les plus de points, mais bon, le match a fait que voilà. Heureusement, on est revenu parce qu'on prend deux buts de plus sur coup, donc on avait fait heureusement qu'on est revenu. Alors, bah, évidemment, oui, j'ai vu la compo de l'équipe, Patrick Cabran, quelques joueurs encore. On pense à Dimi qui malheureusement est passé il a fait de l'anémie, voilà, donc on pense très fort à lui. Venir sans gardien, c'était risqué quand même. Hein. Franchement pas, ouais, parce que Dimitri nous fait du bien quand il est dans l'équipe. Malgré son âge, voilà, il reste toujours performant. Donc, là on a dû jouer avec le Didier. Donc, avec le caméraman, Didier, on l'appelle Didier, c'est pour ça. Donc, voilà, mais il a fait un très gros match, donc félicitations à lui. Son logo, c'est un bon match aussi. On va dire un match de gardien quand même. Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de tirs. Après, la salle, elle est petite aussi, donc voilà, les gardiens étaient présents. Donc, voilà. T'as bien une petite salle comme ça, ou tu préfères les grands boulevards, un peu comme Villevoire par exemple? Villevoire, c'est une salle quand même grande, ou Warren peut-être? Franchement, moi, je préfère les petites salles comme ça, dans des petits espaces. Je préfère jouer dans des petits espaces. Après, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez vite, donc sur une grande salle, j'ai quand même un peu plus facile, mais je préfère quand même une petite salle comme ça. Alors, deux semaines de repos maintenant, il restera le dernier match à la maison contre Anderlecht pour finir en beauté. On espère aller chercher le maximum de points. Après, c'est chez nous. Et j'espère qu'on aura un peu plus de joueurs quand même sur le bord. Parce que pour parler aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on espère aller chercher les points qu'il faut. Merci à toi. Merci à toi.